Nous sommes ici sur la place Lavoisier et je vais expliquer un petit peu quel est l'avenir que nous avons prévu pour cette place. Nous sommes confrontés, comme beaucoup de communes, à un problème aujourd'hui de pénurie de médecins, des médecins qui s'en vont de Blagnac, et donc je suis interpellé par des Blagnacais qui me disent: Monsieur le maire, il faudrait me trouver un médecin, le mien part à la retraite, je n'en ai pas d'autre, etc. Donc nous avions une problématique et la volonté d'installer des médecins. Et en même temps, la volonté de pouvoir traiter la question de cette place. Alors on a eu une opportunité, de nous rendre propriétaires d'une parcelle de terre. Et donc l'idée est de faire à la fois un projet d'aménagement en revoyant complètement cette place, mais de faire aussi l'implantation de cette maison de santé. Alors réaménager la place, c'est effectivement la végétaliser, la verdir. On ne va pas supprimer tous les parkings, mais on va réduire un certain nombre de places. Et donc c'est tout ce réaménagement. Et je voudrais insister sur le fait que ce réaménagement a été le résultat d'un travail extrêmement important d'échange, de collaboration avec les Blagnacaises et les Blagnacais. D'ailleurs que nous avons fait plusieurs réunions avec eux pour arriver concevoir et à un consensus autour de ce réaménagement. Donc ce réaménagement sur lequel on aura des jeux d'enfants, on aura des espaces naturels. Et puis bien sûr, le cœur, c'est cette maison de santé. 800 mètres carrés avec une vingtaine de professionnels de santé, dont des médecins généralistes. Alors nous avons quatre médecins qui étaient prêts à partir de Blagnac, qui peuvent se regrouper ici, mais surtout quatre nouveaux médecins qui n'étaient pas là. Donc ça veut dire qu'on aura huit médecins à cet endroit-là. Voilà quel est l'objectif et le dispositif. Alors nous sommes en phase de délivrance du permis de construire. Ça, les choses avancent et l'objectif, c'est d'avoir une ouverture pour la fin 2025 de cette maison de santé et leur aménagement. Et parallèlement, et il faut qu'on soit très attentif à la coordination des travaux, on va refaire les voiries, aussi retraiter le Fonsorbe, retraiter tout le mécanisme de déplacement avec des sens uniques. Voilà l'opération Lavoisier, une très belle opération à la fois d'aménagement, de réponse à un besoin à travers la maison de santé et surtout de participation, de coproduction avec les habitants.